13 ans, c'est le nombre d'années passées par Britney Spears sous la tutelle de son père, Jamie Spears. En juin dernier, l'interprète de Baby One More Time prenait la parole face au tribunal de Californie. La compagne de Sam Asghari avait prononcé un discours bouleversant, dans lequel elle expliquait les nombreuses interdictions auxquelles elle doit se soumettre depuis des années. Elle qui rêve d'avoir un troisième enfant est forcée de porter un stérilet et n'a pas le moindre avis à émettre sur sa carrière. Son souhait, que sa tutelle soit remise à son comptable Jason Rubin et que son père soit destitué de son rôle. Depuis, Britney Spears ne se tait plus. Sur son compte Instagram, la maman de Sean Preston et Jaden James a régulièrement partagé des textes très révoltés, qui ont à chaque fois été applaudis par ses millions de fans. La chanteuse a confié son dossier à son nouvel avocat Matteo Rosengar, qui semble avoir rapidement fait bouger les choses. Enfin, et la dernière chose que je vais dire à ce sujet, mon entreprise et moi-même agissons de manière agressive et rapide pour déposer une requête en vue de destituer Jamie Spears. À moins qu'il ne démissionne d'abord, déclarait-il il y a quelques semaines. Après que les médecins de Britney Spears ont porté un avis favorable envers le départ de Jamie Spears, la chanteuse a finalement obtenu gain de cause, a-t-on appris ce 12 août par TMZ. Même si M. Spears est la cible incessante d'attaques injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille au sujet de son service continué en tant que tuteur serait dans son meilleur intérêt. Ainsi, même s'il doit contester cette pétition injustifiée pour sa révocation, M. Spears a l'intention de travailler avec la cour et le nouvel avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée vers un nouveau tuteur. A-t-on pu lire par le biais de son avocat. Une heureuse nouvelle pour Britney Spears mais aussi pour sa mère, Lynn Spears. Comme l'a rapporté son avocat, la maman de Britney a réagi auprès du New York Times ce 12 août. Elle affirme être ravie que Jamie ait accepté de donner sa démission. Lynn est entrée dans cette tutelle pour protéger sa fille il y a près de 3 ans. Elle a accompli ce qu'elle avait l'intention de faire, précise l'avocat de Lynn Spears. Reste à savoir maintenant quand aura lieu la passation de pouvoir entre Jamie Spears et le futur tuteur de sa fille.